Monte. Voilà. Pourtant, tu m'as mordu tout à l'heure, je te dis. Tiens, James. Tiens. Et là, maintenant, bonjour. Bonjour. Alors, quand j'ai dit c'est réglé, terminé, parce que sur le montage de TF1, ils ont dit, mais il a dit ça, mais il n'y a pas de séance derrière. Bah oui, parce que c'est un montage, les enfants. La réalité, c'est que bien sûr qu'ils vont avoir travaillé le chien. Mais entre le début et maintenant, madame, vous avez vu la différence ou pas? Est-ce que j'ai maltraité le chien? Est-ce que j'ai maltraité le chien? Est-ce que j'ai maltraité ton chien? Est-ce que ça t'a choqué que je crache dans la gueule de ton chien? Eh ben, explique-leur que tu as fait du kicker training, de la méthode positive pendant 5 ans, que t'as été viré d'un club canin, que c'est pour ça que t'es là. Je suis là pour ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'y crois. James, bon boulot. Tu dis, oh! Non! 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 Professionnel, vous avez passé du temps, vous avez vu ce qu'on a fait, il y a comme une amélioration sur votre chien et ça fait la première fois que tu me vois. Je suis même pas dans le travail là, je suis juste dans une approche de la hiérarchie, je parle chien, je mange chien là. On n'est pas dans le dressage ou l'éducation canine, ça n'a rien à voir ça. Là je me mets dans la tête du chien, je suis dans ta tête à lui. C'est bien Doudou, voilà, très très bien, voilà. Surtout pas rentrer en conflit avec lui. Si on s'énerve, si on commence à mettre sur un chien comme ça des colliers électriques, des colliers picots, des colliers étrangleurs. Est-ce que des gens ont déjà mis ça sur le cou de votre chien? Qui est-ce qui a mis ça? Donc il y a des dresseurs qui ont déjà mis le collier? Il en avait deux de chaque côté, il faisait passer un chien. D'accord. Et une fois, il s'est retrouvé à l'agonie sur le chien. Ah ouais, est-ce que vous préférez cette méthode que je suis en train de vous faire là? Ah oui, complètement, je suis partie du club de mort. Ah, on leur parle plus, on s'est fait virer parce qu'il leur faisait faire du mordant et James était trop fort alors. Donc ce que je... Non, grogne pas. Non, mais non. Alors là, les gens vont dire, mais ça règle avec des méthodes positives, avec du cliqueur, avec la croquette. Mais les gens, ils n'ont rien compris. Si un chien comme ça, ça se règle avec de la croquette, vous allez perdre 2 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, vous avez perdu 5 ans. Ça se règle là, comme il ça. Le cliqueur et la croquette. Eh oui. Ah, vous l'avez fait aussi? Oui, on a acheté le cliqueur. Bon résultat alors. Hein, on a tout essayé. Bon résultat. Bonjour. Bonjour. Voilà, pas touché bébé. Bah, c'est bien. Voilà, gamin. James, viens. James, viens. Bravo. Pas de chien. James, tu vas me mordre la main maintenant? Tu pourrais me mordre la main. Hein? Mais tu sais, je suis pas méchant. Bravo. Donc là, qu'est-ce qu'on avait comme procédé?
On est arrivé, il y avait un manque de sociabilité avec son congénère qui était le Cani Corso. D'accord ? On a vu que ça a failli se bagarrer, même violemment. Après, on a travaillé une phase tout seul, moi, avec lui, pour prendre confiance. Okay, ça, on la voit sur la vidéo. Et derrière, il y avait des tests qui étaient concluants, parce qu'on nous disait que c'était depuis 5 ans qu'on ne pouvait pas le mettre. Même en isolaire, avec un chien à côté. Sur la vidéo, on verra qu'ils sont très proches. Mais il y avait quand même un trouble d'agressivité, parce qu'on le détecte. À partir de là, on se rend compte qu'en travaillant, en allant dans la tête du chien, en faisant ma méthode à moi, et je précise ma méthode à moi, le crachat sur la gueule du chien et le crachat sur ma main, vu le buzz que ça a fait sur Internet, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. En tout cas, vous, en tant que propriétaire de chien, vous avez vu après ça. Donc là, le but, à James, je me suis dit, bon, il a des troubles, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer avec son maître. Et quand vous êtes arrivé à mon contact, on a décelé quelque chose de très méchant. La preuve, il m'a mordu, etc. Donc il faut travailler le chien. Mais si on ajoute pour les professionnels dans ce genre de situation du collier électrique, du collier plicot, du collier chaînette, je ne parle pas du collier chaînette quand on l'utilise, quand on fait du plat, de la discipline, de la suite au pied, pour des chiens sportifs, tout le monde utilise ce genre de collier. Mais pour ce genre de chien avec des troubles d'agressivité, je parle pour les vétérinaires qui me regardera, on ne peut pas utiliser ce genre de collier, on doit utiliser que le collier plat. Et quand le chien mange la laisse, on utilise une chaîne. Et le résultat, il est que sur la vidéo, vous montre le résultat. Par contre, il ne faut pas que des dresseurs, parce qu'ils voient cette vidéo, pensent qu'ils ont les facultés de le faire, parce qu'ils se font bouffer. Moi, ça fait 20 ans que je fais cette méthode-là, j'ai perdu mon doigt, j'ai perdu pratiquement l'œil, et je me suis fait dévorer par le ventre. Donc, je sais pourquoi je fais cette méthode-là. Donc, là, maintenant, on a bien vu le résultat de ce chien. Eh bien, je vais faire comme sur le reportage de TF1. Je vais mettre ma main dans la gueule du chien. Pour vous montrer qu'un chien complètement taré, on peut lui mettre la gueule de la main dans la gueule du chien. Parce que je vais cracher dans la gueule. Un bébé James, qu'il y a là. Vas-y. Vas-y. Tu l'as eu celle-là? Voilà mon bébé. Donc docteur, qu'est-ce que je vous dis? Travaillez ce chien correctement avec des gens compétents et on en fera quelque chose. James, montre à docteur pour prendre. Voilà. Pourtant, tu m'as mordu tout à l'heure, bébé. Tiens, James, tiens. Et là, maintenant, bonjour. Bonjour. Alors, quand je dis c'est réglé, terminé, parce que sur le montage de TF1, ils ont dit, mais il a dit ça, mais il n'y a pas de séance derrière. Bah oui, parce que c'est un montage, les enfants. La réalité, c'est que bien sûr qu'ils peuvent travailler le chien. Mais entre le début et maintenant, madame, vous avez vu la différence ou pas? Est-ce que j'ai maltraité le chien? Est-ce que j'ai maltraité le chien? Est-ce que j'ai maltraité ton chien? Est-ce que ça t'a choqué que je crache dans la gueule de ton chien? Non, il aimait ça. Eh bien, explique-leur que tu as fait du clicker training, de méthode positive pendant 5 ans, que tu as été viré d'un club canin, que c'est pour ça que tu es là. Je suis là pour ça. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? J'y crois. J'aime. Bon boulot. Pas touché. Voilà. Tu l'as filmé avec ton chien qui m'a mordu tout à l'heure. Et on a dit qu'il fallait l'euthanasier ce chien. Ouais. Eh bah il faut.